Salut à tous, c'est Quincy. On se retrouve ce soir, aujourd'hui, pour eh bien, la suite de notre petite partie sur City of Gangsters. Alors, on est en live, du coup. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Nous sommes donc en live pour la suite de cette partie. Et on va continuer la petite ascension de Quincy McGizmo dans les rues de Chicago. Et alors, chose que l'on va essayer de faire aujourd'hui, il est où notre livreur? Toi, t'es où? T'es allé là-bas, d'accord. L'idée, en fait, c'était de voir si on arrivait à peut-être essayer de lui commencer à lui faire faire une sorte de trajet automatisé pour voir si justement on était capable de le faire déjà et de voir si ça peut nous permettre d'automatiser tout ça, parce que c'est vrai que a priori, donc d'après ce que je lisais un peu ce que disaient les développeurs, et l'automatisation, donc le fait de faire des plannings et d'organiser des nouvelles livraisons, c'est plutôt quelque chose que vous faites en mid-game. C'est pas vraiment un truc du début, parce que ça prend un peu trop de... C'est un peu trop difficile. Mais en mid-game, une fois que vous êtes bien établi, un peu comme là, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Alors par contre, il va falloir qu'on essaye de, eh bien, de vraiment faire ça bien, c'est-à-dire en regardant combien de cases il doit se déplacer, en essayant de tout calculer proprement. Voilà, donc alors... Toi déjà, est-ce que je peux t'envoyer? Je peux t'envoyer là. Est-ce que tu peux déjà voir ce qui se passe ici? On a récupéré un peu d'argent, tant mieux. On va continuer de se balader un petit peu. En plus, on a de quoi réparer, c'est pas mal. Alors, ici... Eux, ils nous refilent rien pour l'instant. Ici, nous parlions à faire, notamment à Shaver. Bon, pour l'instant, ils ont rien. Il faudrait peut-être que l'on essaye de s'établir dans le coin. C'est ce qu'on avait dit. On voulait s'établir dans le coin. On va aller voir ça d'abord. On raconte que vous connaissez pas mal de monde. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous écoute. Alors, j'ai entendu dire que vous avez accès à des bouteilles qui contiennent plus que du lait ou du jus de fruits. C'est fort probable. Donc 10 bières derrière boutique, je ne sais pas... Vous pourriez garder ça secret avec un si bon produit, surtout dans ce quartier. Donc livrer 10 bières derrière boutique pour l'instant, c'est pas faux. Je suppose que je peux vous donner un petit échantillon dans ce cadre. Ici, 10 bières derrière boutique. Si on arrive à s'implanter ici, c'est vrai qu'on peut s'étendre un peu de ce côté là et pourquoi pas choper le dépôt de train ainsi que l'union ici. Ça pourrait être intéressant. C'est un peu l'idée. Je sais pas encore ce que ça fait, mais je sais que les deux sont intéressants par rapport à ce que j'ai pu lire en fait sur les différentes. Non, je viens de là en plus. Par rapport à ce que j'ai pu lire, voilà, sur les deux ou trois posts des développeurs, c'était quand même très très sympa. Et bien toi, t'as juste ce qu'il faut. Parfait. Donc, on va aller voir ici. On va aller voir ici ce qui se passe. Alors, est-ce que toi tu peux te balader ici? Parfait. On a juste 2-3 trucs. Donc là, on va lui faire faire le tour pour lui revenir. Et après, il fera les livraisons. Je crois qu'on pourrait faire les livraisons avec Scarface aussi, même si... Ouais, si, ce serait quand même plus pratique. Faut voir. Parce qu'elle, elle aura un impact moins sévère sur tout l'ensemble... Pas sûr, à chaque fois qu'il a fait des livraisons. Donc ça pourrait être sympa. Mais lui, il faudrait qu'on l'améliore aussi. Donc bon. On augmente les relations. C'est parfait. Donc lui, il achète de la bière en... C'est bien ça. Est-ce qu'on peut t'en vendre un petit peu plus? 24. Donc ça, c'est déjà fait. Donc voilà, on est à fond. Enfin, on est à fond. On est bien déjà en relation avec lui. Notre organisation souhaite étendre son territoire et s'emparer de cette partie de la ville. Ouais, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut 840. Toi, t'as combien, Scarface? Il me semble que t'as pas 840, t'as que 200 et quelques.
D'accord, donc il va falloir qu'on aille chercher 840. Est-ce que quelqu'un aurait ça sur lui? Jérémia, qui est pas loin, il a ça. Donc on pourra l'amener au prochain tour, c'est pas mal. Toi, voilà, toi il te reste pas mal de place. Elle, on peut la faire descendre par là. Et repartir. Non. D'accord. Non. A priori, c'est pas possible. Ah, donc les deux, on va les amener là, c'est pareil. Toi, est-ce que je peux te faire redescendre par là? Voilà. Commencer à redescendre par là. Du côté de Petite Banane, elle est où? Elle est en train d'explorer. Elle est en train d'explorer. Toujours bon ça, d'explorer un petit peu. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? On peut aller jusque là, sans trop de problème. Voilà, et après on pourra continuer d'explorer là. Ah, j'aurais dû passer par là. J'aurais dû aller là aussi. Zut! C'est pas grave, on pourra y aller quand même. C'est pas un gros problème. Et alors nous on est là, est-ce qu'on avait prévu de faire quelque chose de spécifique? Non, il me semble pas. Toi, t'as un peu d'argent et d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Non, t'étais en train de te soigner. C'était surtout ça en fait. En train de se soigner. Je pourrais t'envoyer. On pourrait essayer d'aller là. Voilà, commencer à explorer un petit peu la zone aussi. Non, je sais pas, c'est pas grave. Et on continue. Ah non, il reste encore Hélène. Hélène qui est là et qui arrive ici aussi. Enfin, c'est parfait. 6. Faut pas aller là encore. On ira après. Hop, tour suivant. La police fond ici, d'accord. Notre activité, les tuyaux. Non, c'est bon. On a fait le tour. C'est pas mal. Alors, toi, tu veux aller là dans un premier temps. Tu vas voir ce qui se passe ici. 130, c'est bien. Tu vas même en profiter pour explorer un peu tout ça. Lui, il veut savoir quelque chose aussi. Alors, c'est pas mal. Hein. Plus on va aller, plus on va pouvoir commencer à se développer, mieux ce sera. Bon, écoutez, en fait, on va la laisser là, elle, et elle fera tout l'ensemble. On va avancer un petit peu. Petit point, d'accord. Et oui. Hop, ici, c'est bon. Il reste 3, pas besoin. Alors, maintenant qu'on est là et que Kane est ici, on va lui dire 2. Voilà, dans ce cas, marché conclu, boum. Allez, une nouvelle zone. Ici, votre loyauté sera récompensée. Il te reste combien de... T'as 2 actions, c'est pas mal. Voilà, on va faire ça. Ici, on va pouvoir essayer de loyer, exiger un paiement, de l'extorsion ni plus ni moins. Ce sont les gens de votre espèce qui font de cet endroit un enfer. Exactement, mais... C'est comme ça que ça passe. Voilà, donc lui, normalement, devrait payer pour ça. Donc ça, c'est bon. Lui, il est en train d'améliorer où? Je sais même plus où il améliore. Je suis pas fait attention. Bravo, moi. Bravo, moi, bravo, moi. On a du cidre. On pourrait le vendre quelque part, le cidre. Pas là-bas. Partir tout là-bas. Est-ce que ça passe? Presque. Bon, on va aller vendre du cidre. Vu qu'on en a... On n'en produit pas, donc autant s'en débarrasser. Alors, Frédéric Mitchell, toi, tu vas aller... Voilà, on va te ramener au bercail et on va commencer des livraisons. On va essayer de faire des livraisons avec toi. Ça va être... quelque chose, très clairement. Voilà, on a trouvé ça. On continue de se balader un petit peu avec Scarface.
Le patron il est là, qu'est-ce que... Il te reste 3, bah ouais, mais il te reste pas grand-chose. Ça c'est bon. Toi t'as plus rien, toi t'as plus rien. Et toi tu n'as plus rien non plus. Donc voilà, on a fait le tour. Regardons les différentes productions. Alors eux il leur manque de l'alcool comme ça, d'accord. On peut pas faire de moonshine. Ça avance. On en a un petit peu quand même. Et normalement, ça, il manque des bouteilles. Mais on a 6, on a 60 bières derrière boutique, d'accord. D'accord. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, on va devoir faire remonter Scarface aussi, je pense. Et on voulait ici. Non, ce que l'on voulait faire ici, si je me rappelle, c'était un speakeasy. Voilà, celui-là était pas mal. Mais ça demande 5 000. Donc ça, c'est pas trop cher, ça, on peut faire, mais c'est les 5 000. Donc il va falloir que voilà, on vende un petit peu. Et après, on fera un speakeasy, ce sera sympa. Le speakeasy étant, je le rappelle, une sorte de bar de contrebande. Jamila, BC, elle, toi t'es un. Oui, toi tu es ici, donc remonte au niveau 1, augmente la performance de toute activité sous sa responsabilité. Augmente la quantité de moonshine obtenue à chaque lot de provision. On va continuer avec ça, tiens. Elle sera à fond comme ça. Donc alors toi t'es là, on va. Ah, voilà. Il a pas tous ses. Il a pas toutes ses comment ressources, c'est pas grave. Je vous écoute. Non, c'est encore une histoire de ferme. On s'en fout. Je veux de l'alcool neutre par contre. Voilà, je peux vous prendre. On va aller là. On va virer ça. Comme ça redémarre la production. Niveau des bouteilles. On peut les choper là. On en a là. C'est vrai qu'on en a là et là. C'est ici. Ici, il a 20 bouteilles. On va me chercher 20 bouteilles d'abord. Alors, je fais un petit tour comme ça avant. 44% plein, c'est bien ça. Vous écoute, encore un problème de ferme, on s'en fout des pots en grès, non? C'est toi du coup qui avait des bouteilles? C'est toi qui avait des petites bouteilles, d'accord. Je vais vous en prendre la max. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir ramener ça ici. Je peux plus me déplacer, très bien. Très bien, très bien. Alors, Hélène, elle est là. Donc, tu vas te balader là d'abord. Et ensuite, tu vas venir là. Ça sera pour le prochain coup. Au moins, on découvre tous les business, tous les différents trucs du quartier, donc c'est bien. Scarface, toi, t'es là. Donc, toi, on a dit qu'on allait te renvoyer un peu vers là-haut quand même. Ça va être pratique. Pompalom Kane. Toi t'es arrivé là, c'est parce qu'on voulait vendre notre cidre. On en a 35 quand même. Où est-ce qu'on peut en vendre d'autres? Là. Là. On va vendre du cidre ici aussi. Et là. Qu'est-ce que... Là aussi? Vas-y. Après, il n'aura plus de points. On ne pourra pas rien faire derrière. Tant pis. On va bouger quand même. Ah si, c'est bon. Non, non. Non, non, non. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Lui, il a tout vendu. T'as combien sur toi? T'as 432. Ça va encore. Et on peut recruter quelqu'un de plus.
Ouais, ça va être bien. On va attendre un petit peu, du coup. Parce que là, ça risque d'être un petit peu trop violent. De recruter quelqu'un en plus. Déjà qu'on arrive à s'occuper avec lui. Donc bon, voilà. Toi, tu vas continuer. Ici, hop. D'accord. Toi, tu vas aller jusqu'ici, en fait. Très bien. Et 5, on peut continuer d'un cran. Voilà, on les met en parallèle. Donc le but, ça va être d'essayer de découvrir un peu tout le sud de la ville, ce qui serait pas mal. Vu qu'on commence à s'étendre ici, ça va être sympa. Je pourrais même t'envoyer voir ce qu'ils nous disent, eux. Que lui, il a envie de nous parler. Donc bon, ça peut être sympa. Mais si on peut continuer de s'améliorer, l'avantage c'est que voilà, on va commencer à s'améliorer dans le quartier, ce qui fait qu'on va pouvoir augmenter notre présence là-bas aussi. Faut vraiment qu'on arrive à récupérer ces deux quartiers-là. On verra ce que ça donne. Kane, alors Kane, où est-ce qu'on va t'emmener, toi? Sale truc. Où est-ce que je t'amène? Est-ce qu'on se débarrasse un peu des mecs? Non, mais non, non, non. Et reste là. Au pire du pire, oui, tu vas là. J'avais dit Kane. Voilà. Est-ce qu'on peut t'amener jusque-là? On peut t'amener jusque-là. Soit lui parler à lui, soit. Mais non, mais lui, il nous avait attaqué avant. Et bon, on va lui défoncer sa tête. Au volant, au volant, au volant, au volant. Hop, c'est bon. Alors, ça, c'est la comptable. Donc on va pas l'appeler Scarface. Comment on va l'appeler? Novak. On va l'appeler la géante. C'est ce qu'elle fait. La géante Novak. Hop. Et elle a repris un point? Ah non, c'est toi. Augmente le nombre de points par action. Bonne conduite. Hélène, Hélène, Hélène. Il y a combien? Pour augmenter la bonne conduite, ce serait pas mal. Voilà, un tout petit peu plus de points. Ah bah t'es arrivé jusque-là, c'est parfait. 141, ce qui est pas mal. On se balade ici. Là, tu peux pas encore. Ce sera pour le prochain coup. Ce sera pour le prochain coup. Toi, tu vas continuer. Ah, mais j'ai pas encore fini de. J'avais pas fini. Zut. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, on est à court, c'est pas grave. On a dit que t'allais venir ici voir ce que lui il nous demande. Comme les gens viennent déposer leur enveloppe tous les mois, je commence à mieux connaître certaines personnes et j'ai découvert que certains ont des connaissances utiles. Je n'en doute pas, je parie que vous savez ce que c'est. Voulez-vous partager? Donc tu veux 15 petits tonneaux, 5 briques. Ouais, ça me va. 15 petits tonneaux et 5 briques, on peut les amener, c'est pas un problème. Ça coûte pas grand-chose. Il te reste 10. Continue d'explorer un petit peu. Toi, t'es où? Toi, t'es là. Il te reste un petit peu. Et il te reste tout ce qu'il faut. Bonjour, toi. Tu m'aimes pas. Alors, si je vous ferais payer, j'aimerais faire affaire à quelques commerces dans votre coin de rue. J'ai cru comprendre, machin. Donc, attends. On va le menacer. Vous n'avez pas l'air de rigoler. Bon, d'accord. Je veux pas d'embrouille avec les gens comme vous. Bon, a priori, il est d'accord. A priori, il est d'accord, donc on va attendre. On va attendre de voir ce que ça donne. J'essaye, hein, j'essaye des nouveaux trucs parce qu'on n'est pas. Je sais pas tous fait non plus. Et alors, toi, t'es arrivé. Bah zut alors.
Pourquoi t'es pas allé jusque là-bas? Des bouteilles, on va les bazarder ici. Mais du coup, t'es pas à fond au niveau de tes... T'es pas à fond au niveau de ton déplacement. On attendra le prochain tour. J'ai envie d'avoir, de l'avoir vraiment à fond au niveau du déplacement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première tournée ensemble. Enfin, je vais le contrôler pour, manuellement pour faire une première tournée. Et en même temps, j'établirai la livraison. Comme ça, je sais exactement ce que je vais avoir en fait derrière. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il a lui? Encore un problème de ferme. Ils sont embêtants un petit peu. 22 pour nous blanc, c'est bon, tu les gardes. Pas forcément besoin de ça. Parce que lui, du coup, il peut récupérer voilà, 60 bières derrière boutique, ce qui est pas mal. Et eux, ils continuent avec ce qu'il faut. C'est bon. Ça, c'est pour la livraison. Alors, les petits tonneaux, il me semble que c'est ici. On peut en avoir quelques-uns. 15 petits tonneaux. Allons voir ici. Ouais, c'est quoi? C'est encore un problème de ferme. Ouais, c'est des cousins à faire. Faudrait que je la fasse une fois, histoire qu'on soit débarrassé avec cette mission. Pour au moins voir ce que c'est. Mais... donc on a dit 15 petits tonneaux. Voilà. 15 petits tonneaux, il veut des briques aussi. Mais les briques, on n'a pas. Est-ce qu'on peut trouver des briques? Où est-ce qu'on peut trouver des briques? C'est la bonne question. Bah pas là. Là-bas. En route vers là-bas, on peut non plus. Eh ben. Pas tant que ça de briques, en fait. On va aller là. Et il veut 5 briques. Est-ce que je vais pouvoir charger les 5 briques? C'est pas sûr. Ouais, je peux en charger que 3. C'est dommage, mais c'est pas grave. T'as quoi sur toi? T'as que 2 moonshine sinon. Non. Tant pis. Eh ben écoutez, on va aller ici dans un premier temps. Comme ça, ce sera fait. Attends, on a dit qu'on attendait un petit peu justement pour charger tout ça. Alors, hop. Accepte notre demande, c'est bien. Alors, il reste quoi? Pourquoi tu vas aller pas assez de points de déplacement? Pourquoi t'as plus de points de déplacement toi? J'ai pas encore fait fini le tour, d'accord. King, ouais non. De toute façon, toi, tu n'as rien. Tu n'as pas de points. De... Ah si, t'as 5 points de déplacement. Est-ce que c'est suffisant pour aller là? C'est suffisant pour aller là, mais on peut pas. Découvrir ça parce qu'on n'a pas les points d'action. Tant pis. Donc lui s'est barré, c'est bien. La police fond sur cet angle là. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Donc quoi? La release, c'est bon. On va découvrir ce qu'il y a dans la plante. 40 pieds de biche. Rien que ça. Ça doit, elle doit être chargée. 72%. Tu m'étonnes. 40 pieds de biche. Il faisait quoi là-bas? Il y a le commissariat ici. D'accord. C'est bon à savoir. Je vais avancer là. J'aurais pu faire ça avant, mais c'est tant pis. Là aussi, il va rester normalement un quartier ici qu'on n'a pas découvert. Peut-être. Ah non, ça a l'air d'être si normalement. Ah d'accord, non, donc il n'y a pas de quartier ici. Il n'y a pas de quartier ici. Alors, quoi? Jusque vous attendiez, on va livrer les petits tonneaux, ça marche. Jusque vous attendiez, on va livrer 3 caisses de briques. Est-ce que je peux trouver des briques pas loin d'ici? On avait dit pas forcément. C'est impressionnant qu'il n'y ait personne qui ait des briques. À moins que j'ai pas été vérifier ça.
ça doit se trouver quand même. Donc non, eux ils vendent ça. Toi te reste, il n'y a plus de déplacement, d'accord. Toi tu vends que dalle aussi, t'achètes ça, ici on sait pas. Faire le tour, voir s'il y en a un ou deux qui vendent des briques. Ce serait utile quand même. Parce qu'après c'est vrai que si on les a pas forcément... Si on les connaît pas, c'est pas forcément évident. Genre toi... Hop. Donc, des épices, et voilà. Il faut quand même vraiment les activer au moins une fois. C'est mon erreur. C'est mon erreur, c'est mon erreur. Toi, il te reste 4. Bon, bah, écoute, on va attendre ici. Alors, toi. On va juste vérifier ici et ici. Voilà, ça correspond à grand chose. Mais au moins c'est fait. Voilà. Donc c'est la petite truc que je faisais pas forcément, c'est de vérifier à chaque fois. Donc maintenant je saurai. Donc juste pour vérifier, voilà. Ici ils vendent. Non, on peut acheter. Ils achètent des cigarettes. Le jour où on arrivera à choper des cigarettes, ce sera quand même pas très sympa. Ça nous permettra d'aller de vendre énormément de trucs. Encore trouver où on les fait. Ces cigarettes. Frédéric, voilà. Donc toi t'es prêt, on va pouvoir commencer ça. Par contre, ici. Hop. Voilà, donc vous vous vendez des tonneaux. Et d'accord. Donc c'est sympa. Je peux te barrer ici. On va vérifier ça. Donc ça, ça vend pas grand chose au final. Du coup ici on est bon. Toi tu vas te balader un petit peu ici. On va juste vérifier. Je vérifie tout maintenant. Comme ça. Parce que c'est vrai que je l'ai pas fait avant. Eux, ils vendent pas grand chose. Là, je peux rien faire. S'il veut m'attaquer, il va m'attaquer. Et à mon avis, il aura assez mal. Donc, on va le laisser faire. Ah, ça, c'est bon. Le reste, tout est bon. Alors, Frédéric Mitchell, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en même temps une première livraison. Une livraison. Et voilà, on va commencer à avoir. À mettre ça en place. Donc alors, dans un premier temps, toi, vu que tu es vide, tu vas charger de la bière derrière boutique. Alors la bière derrière boutique, il faut se dire que ça prend... Toi, tu peux en charger 45. D'accord, on va essayer avec ça. Donc dans un premier temps, ici, on va aller. Ici, ah zut, d'accord, donc attends. Je me souviens de comment ça marche aussi. Sélectionner la prochaine étape. Acheter des ressources, non. Récupérer dans la remise. Ça c'est quoi? Desideri. Desideri, voilà. On va récupérer de la bière derrière boutique. Une quantité. On va récupérer 45. Ah bon. Ça martèle un petit peu le... La souris, voilà. Enregistrer cette étape de livraison. Voilà. Là, on est bon. On a récupéré 45, c'est parfait. Maintenant, on part du principe que tu as 10. C'est ton début du tour que tu as 10 et qu'on va avancer un petit peu. Du coup, l'alcool... Ah, mais je vais pas pouvoir aller le vendre ici. Comment ça va faire? Est-ce qu'on va aller jusque là? Ouais. On va aller jusque là. J'ai rien d'autre. Il y en a là-bas. Donc alors toi, tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas monter de 3. Et tu vas vendre ça à LEU Cafétéria. Donc si je regarde ici. Si je regarde ici et que je regarde ça, je fais ajouter une étape.
Vendre des ressources. Non, bien d'artisanat. Voilà. Là, ça me dit que j'en ai 4. Standard col singe. On va aller voir. Elle est eu, qu'elle est forte. Cafétéria. On va vendre. Jusqu'à. Ah, attends. Pour l'instant, on va lire ça. On reviendra après. Je t'écoute. Second établissement en dehors de la ville. Tu voudrais ouvrir ça. On verra ça plus tard. 10 de 20 contrefaçons. Donc, non, pas pour l'instant. Guerre derrière boutique. 30 de la caisse, voilà. Je crois que j'en ai dans la voiture. Toi, t'en prends 21. Est-ce que je t'en vendrai pas 20? Écoutez, on va vendre tout. Donc, ouais, ici, autant que possible, d'accord. Ensuite, où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller? Donc, ensuite, il n'y a pas énormément de place. Ah, il y a lui, il y a lui, et il y a lui. On va pas forcément vendre ça ici. Soudainement jusqu'au 11 février. Ah, mais ça peut être bon alors. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça passe à 5 du coup? Ah bah non, c'est ici. Donc 4. 4 de plus. Voilà. Et là, on va te vendre. Je m'en réjouis. Eux aussi, ils veulent ça. Donc ils veulent nous aider à ouvrir des trucs derrière boutique. Pour l'instant, non. C'est 13. Voilà. Donc lui. On va vouloir vendre des ressources, de la bière derrière boutique, pas les UK cafétéria, mais on est ici à Lucas American Delight et on va vendre tout. Voilà. Donc lui, il a déjà fait 4. Ça, c'est bon. Et il va nous en rester une. On va lui faire faire un trajet entier. En gros, on va lui dire d'aller jusque là. Donc ça, c'est standard cold storage. Non, on est là d'abord. Sovereign Canning & Co. Après, c'est loin. Est-ce qu'on a besoin de... Non. On va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de faire plusieurs livraisons. Regardez. Ensuite, toi, tu vas revenir ici. Et tu vas redéposer ce que tu avais pas. Et comme ça, on est d'accord. Et tu vas aussi déposer une partie de ton argent. On va garder 200. C'est pas mal. Donc alors, si on a dit que tu vas déposer dans la remise machin... de l'alcool derrière boutique, tout. Oui, dépose tout, c'est bon. Tu vas aussi déposer de l'argent. Donc toujours au même endroit. Tout sauf, on va te laisser 200. Voilà. Après, ce que tu peux faire, est-ce que tu peux acheter de l'alcool neutre? Toi, tu vas pas en avoir. Si, tu vas en avoir. Voilà, tu vas acheter de l'alcool neutre. Donc. Ensuite, tu vas acheter des ressources. Oui, c'est de l'alcool neutre. Ici. Tout. Et tu vas ensuite aller déposer dans la remise de Enna machin l'alcool neutre. Ouh, voilà.
Donc lui, il ira là après pour déposer tout simplement l'alcool neutre ici. Récupérer la max de moonshine. On va récupérer la max de moonshine. Alcool neutre autant que possible, voilà. Ensuite, récupérer dans la remise du moonshine. Il est où? Il est là. Où? Ouais, voilà. Et ensuite, on ira le vendre. Mais là, t'as plus de... Ich, tu as des points encore, et on a un gars qui nous vend du moonshine ici, donc tu vas aller là. Par contre, je peux plus le vendre, mais il va vendre à Unsandwich Counter. C'est quoi? C'est des copains de la ferme? Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ajouter une étape. Vendre des ressources. On a dit... du moonshine à Anne Sandwich Corner. On fera, voilà, on va faire le tour comme ça. Donc ça nous permet de faire en sorte que on couvre tout, donc même s'il a pas tout, c'est pas grave, il y aura quand même, il va se balader. Ça lui fera faire un peu de trajet, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est que s'il lui en reste, il va essayer de refiler au maximum. On fera un tour de moonshine et après on reviendra. Je pense que ça peut être pas mal. On va voir. On va essayer de faire juste ça comme ça. Les autres livraisons, on fera ça à part ou encore manuellement. Mais si lui il arrive à automatiser ça, ce sera quand même pas mal. Ce sera quand même plutôt bien. Il nous reste plus rien. On avance. Un de nos membres s'est fait blesser. Alors, attaque. Elle a voulu m'attaquer, elle s'est pris 89. D'accord. Elle va mourir. Lui, 0, il s'est pris 93, donc il va mourir aussi. Et bah, il va y avoir deux morts. Donc, monsieur. Fallait pas m'attaquer. Voilà. Donc toi, c'est fini. 67, une matraque, un pied de biche. Je peux pas trouver où est le machin, c'est pas grave. Toi, c'est pareil. Hein. Toi, tu vas. Voilà. J'ai quand même pris un peu de dégâts. 91, un pied de biche. Je peux pas trouver ce qui se passe ici. Après, de toute façon, il va falloir rentrer. Malheureusement, on est assez loin. Et c'est pas top. Point d'arrêt. Nouvelle ressource. D'accord. C'est bien aussi. S'il te plaît. Voilà. En appuyant sur le bon bouton, ça ira un peu mieux. Et eux, ils vendent quoi? Rien. Allez là. Et on a un nouveau gars ici. On va pas forcément trop se frotter à lui. Banane. Elle est où? Elle est là. Donc nous on a déjà fait le tour, ça on sait pas trop, ça on sait pas trop. On va continuer d'avancer quand même. Voilà. Juste au cas où. Voilà. Donc c'est de la réparation automobile, ça continue. Hop. Donc ça, ouais non, c'est pas mal en fait. On découvre de plus en plus de... Il suffit de trouver un peu... passe à droite à gauche, sinon c'est pas top. Sinon ça avance pas. Bah tiens. Banane, t'as 177. Ça va pas être suffisant. C'est du vin en brique. Si on peut vendre du vin en brique, on pourrait réparer la bagnole. Sinon ça va pas le faire. T'en as dit qu'on voulait essayer de voir... passer aux alentours. Donc toi t'achètes des trucs, mais c'est pas encore ça. On va aller là, donc on vérifie ça, on vérifie ça, on vérifie ça, voilà. Donc eux ils m'aiment pas par contre. D'accord.
Eux, ils vendent quoi? Il faut acheter des pommes ici. On avait déjà trouvé. Alors ça, je connais déjà. Eux, ils vendent des petits couteaux. Ça, on connaît. Mais j'imagine pas grand chose. Non. On continue de redescendre, malheureusement. Oh, c'est toujours pas fini. Il nous reste des affaires à régler ici. Je sais bien. Mais toi, tu vas pouvoir redescendre en fait. Essayer de voir. Eux, c'est des planches. C'était dans quel. Ça, on avait acheté. Truc d'outils. On a des trucs d'outils pas loin. J'ai pas l'impression. J'ai malheureusement pas l'impression. Après, on sait jamais. Peut-être que. Il y en a là. Mais eux, ils achètent seulement. Ils nous achètent seulement des trucs. Il y aura celui-là aussi. On pourrait essayer d'aller voir. Non, ça a pas l'air d'être. Ici, on sait pas, on ira voir. Ici, a priori, non. Ici, on sait pas. Donc, on va aller voir ça. Un bata 4, on peut y aller maintenant, en fait. Okay. La bonne blague. Hop, et hop. Donc, toi, non, bien évidemment. On s'en serait douté. Ici, on connaît. Ici, on connaît aussi. Toi, non. Non, t'achètes rien. On n'a plus que un. Voilà, on va aller là quand même. On va descendre pour voir si on trouve quelque chose. Je fais le tour un peu de toutes les ressources. Ça prend un peu de temps, mais au final, ce sera fait. Et il nous reste toi. Donc toi, on va donc vendre du moonshine. Je crois que j'en ai dans la voiture. Donc voilà, on va en vendre. Ça. Le prochain coup. On a fait le moonshine ici. On va aller au moonshine ici. Ça c'est 3, c'est pas mal. Après c'est vrai qu'il a pas énormément de points d'action, il va falloir lui enfiler plus. Parlons à Chavante. Moonshine, voir que j'ai dans la bagnole, toi t'en veux 18. Donc on est à Alfred's Cafeteria. Alfred's Cafeteria. Donc on va le rajouter. On a déjà fait vendre. On a déjà fait un corner. On va prendre du moonshine. Il est où? Il est là. Alfred's Cafeteria. Tout. Voilà. On va ensuite aller jusqu'à Nicolas et machin. Pour du moonshine aussi. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Hop. Oui, on fait comme ça. Je vous écoute. La ferme, la ferme, la ferme. C'est toujours la ferme. Donc, du moonshine. Je crois que j'en ai dans la bagnole. Hop, on va te vendre tout ça. C'est parfait. On commence à avoir un peu de thunes, nous. Toi, t'as 4 encore. Avec 1206. Fais attention quand même, hein. De Twitch. Donc le moonshine s'est fait ici et on va pouvoir aller ici. On passera sur Ingram Lumber Company. Donc Ingram, Xanthemum Landry et Clark Service Center. Je pense que ça peut le faire. Donc on a dit ajouter une étape à vendre des ressources. Moonshine. Ingram, ou Clark, non, pas encore. Chrysanthemum. Chrysanthemum, ou et enfin Clark, ou voilà. Donc, normalement, une fois qu'on a fait ça, on a fini. On a fini la partie haute en fait. Est-ce qu'on a fini l'ensemble du truc? Il nous resterait ça. Il peut nous rester Kopecky Tobacco Shop.
Et Complete Service Center. On peut les mettre, hein. On sait jamais. Parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas vendu de moonshine. Donc a priori, c'est pour ça qu'ils en prennent beaucoup. On essaye. Voilà, lui, il va faire le tour. Moonshine. Non, on a dit copy key tobacco shop. Il est là, voilà. Ensuite, on partirait sur... C'est quoi ça? Complete Service Center. Voilà. Où? En effet. Et après, on renverra déposer l'argent et faire un peu de livraison à côté. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal déjà. On est bon. En suivant. Hop.